Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon lundi et on se retrouve pour notre live technique. Et oui, je suis toute seule aujourd'hui. Mon cher et tendre et mari ne pourra pas être là à tous les lives, mais franchement, hier j'ai passé un bon moment. Là, vous m'avez comblé de commentaires, vous avez adoré aussi. En tout cas, vous avez mis des petits messages, ça l'a beaucoup encouragé, il a beaucoup apprécié et je pense qu'il y a pris goût. Peut-être qu'il reviendra pas que tous les 5 ans, on verra. Mais en tout cas, moi j'ai bien rigolé. J'espère que vous aussi et que vous allez participer à ce challenge autour du kit livraison de bonheur parce qu'il en sera ravi. D'ailleurs, ça y est, j'ai trouvé le cadeau pour la tombola, ça sera un set de tampons. Ouais, un set de tampons du nouveau catalogue. Ouais. Alors, si vous avez envie de recevoir en cadeau un joli set de tampons du nouveau catalogue, et bien rien de plus simple. Dès la sortie de ce nouveau kit, et bien vous le commandez sur ma boutique en ligne. Vous m'envoyez un petit message. Fanny, ça y est, j'ai commandé. Je vous mets votre petit nom dans le petit bocal et vous participerez à la tombola de la fin du mois. Voilà. Donc ça va, tout le monde est bien installé. Génial. Alors aujourd'hui, je vais me présenter parce que peut-être que depuis hier, il y a des nouvelles personnes qui m'ont suivi. Hein. Peut-être que le fait d'avoir fait un live avec mon mari a suscité de nouveaux abonnés, de nouveaux followers. On ne sait jamais et pourquoi pas des nouvelles clientes, il en sera ravi d'ailleurs. Voilà. Je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin sur les réseaux sociaux et je suis ravie d'être démonstratrice depuis plus de 12 ans maintenant. Je me fais un plaisir le lundi de vous faire découvrir souvent quelque chose de particulier dans le catalogue. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir. Alors, les crayons aquarelles, on les a déjà vus, on est bien d'accord. Mais je vais vous faire découvrir ce qu'on peut faire avec le crayon blanc. Oui. Parce qu'on se demande souvent à quoi il sert le crayon blanc dans cette boîte. Et bien, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et je pense que vous allez découvrir ou redécouvrir des techniques. Et ça va vous donner envie de créer. En tout cas, c'est l'objectif. On est parti, tout le monde est là. Surtout, n'oubliez pas, quand vous arrivez, mettez un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou. Ça me permet de savoir qui est là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les chats, puisque c'est comme ça aussi qu'on interagit entre nous et que c'est quand même beaucoup plus simple et convivial. Si vous avez des soucis pour l'utilisation d'un ou autre chose de matériel, n'hésitez pas non plus. Je serai là et je suis là pour vous aider. C'est mon activité de démonstratrice qui me permet d'être toujours auprès de vous pour vous conseiller dans vos achats et de vous accompagner aussi dans vos produits. Alors, on va se donner rendez-vous sur mon plan de travail. Et donc, comme je vous le disais, on va travailler les crayons aquarelles. Alors, les crayons aquarelles, vous pouvez les trouver à la page 118 et 119 de votre catalogue. Alors, il existe. Alors, ce qui est pas mal dans ce catalogue, c'est quand même que vous avez des idées d'inspiration et comment les utiliser. Donc, ça, c'est une première chose. Mais c'est quand même très généraliste. Donc l'important d'être là avec moi cet après-midi, c'est que vous allez pouvoir découvrir une autre façon d'utiliser. Donc on va utiliser le lot de crayons, c'est le lot numéro 1, crayon aquarelle à la référence 161 700 à 22 euros. Vous en avez 13. Forcément, à chaque fois, toutes les couleurs sont assorties au papier, bien évidemment. Et nous, aujourd'hui, on va vraiment utiliser, et on va utiliser que celui, le blanc. Souvent, les couleurs, ça y est, je vous ai montré la semaine dernière comment les utiliser. Et là, on va se concentrer sur le crayon aquarelle blanc. Coucou Marie-Jocelyne, bonjour à toutes celles qui arrivent en cours de route. Un plaisir. Désolée, hein, j'ai pas Monsieur Mister Otat avec moi. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, Mister Otat, je lance un petit challenge pour que vous trouviez, mais certaines étaient là hier, vous allez savoir pourquoi. Mon mari, son surnom maintenant, c'est Monsieur Otat. Oh ouais, il s'est trouvé ce petit surnom-là. Moi, c'est Fanny Scrap Stampin' et lui, c'est Mister Otat. Voilà. Donc, on va prendre notre crayon aquarelle blanc et on va le mettre en œuvre. Donc, je ferme. Donc, on est bien d'accord, page 118, 119, et les crayons aquarelles que je vais utiliser, le blanc, il est dans la boîte 161, 700. D'accord? Coucou Catherine.
Il y en a qui suivent, c'est bien, vous soufflez pour les copines qui suivent peut-être pas et qui n'étaient pas là hier. Les coquines. Alors, on prend donc notre crayon aquarelle. On va avoir besoin aussi, pour le mettre en valeur, on va utiliser la technique de l'embossage à chaud avec l'encre Versamark, la poudre blanche, le plioir accessoirement, mais il va pas là, et le petit pinceau. D'accord ? On va utiliser deux sets de tampons. Alors, je vais peut-être vous montrer les créations que j'ai faites pour préparer ce live. Et d'ailleurs, vous allez choisir. Ah, bah oui, ça va être mieux comme ça. J'aime bien quand c'est vous qui choisissez. Deux techniques différentes. C'est la même technique, sauf que ça a des rendus différents selon le set de tampons qu'on va utiliser. Donc, soit on peut faire la carte bleue avec ce joli feuillage. Et vous allez voir que la finesse du blanc apporte vraiment un cachet un peu, voilà. Et je l'ai utilisé avec un nouveau set de tampons que j'ai reçu ce matin. Voilà. Et avec les bouteilles de parfum. Donc, soit on utilise le set de tampons Rest Relax Enjoy, soit on utilise Spotlight on Nature, comme vous voulez. Allez, dites-moi. Si vous préférez, allez, on va dire la bleue ou la rouge. Allez, Nicole, tu préfères la bleue. Alors, la technique est la même, hein, c'est juste les rendus qui sont un petit peu différents, mais on va utiliser la même technique. Oui, Karine, j'ai expliqué la semaine dernière dans mon live avec ma page 30-30 comment se servait des crayons aquarelles et qu'on l'associait avec le crayon estompe. Ah, vous êtes majorité pour la bleue. Alors après, peut-être qu'on peut faire... Est-ce que c'est la couleur bleue qui vous préférez ou le set de tampon? On va peut-être pouvoir faire un mix des deux, hein, ceci dit. Ah, tu vois, peut-être qu'on peut faire celle-ci dans les versions bleues aussi. Hein. L'important, en fait, pour bien mettre en valeur notre crayon aquarelle blanc, c'est d'avoir du papier foncé, ok? Si on a du papier foncé, on va plus facilement le mettre en avant, notre crayon blanc. C'est vraiment, on va dire, côté primordial de cette technique. Ok. Il y a quand même une majorité pour la bleue. Hein. Après, je pourrais vous montrer comment j'ai fait la rouge aussi. Hein. En faisant juste une petite bouteille. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce set de tampons-là, c'est que, je ne sais pas si vous aussi, mais moi, j'aime bien offrir parfois, quand je suis invitée, du parfum ou des huiles essentielles et tout ça. Et je trouvais que ça se coordonnait bien avec ce que j'offrais régulièrement. Donc, voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de faire un petit mix entre les deux. On essaye, on se lance. Allez. Parce qu'en fait, je crois que vous aimez préférer la couleur bleue, mais que vous avez aussi envie de voir ce set de tampons-là, donc on va essayer de mixer entre les deux, d'accord? Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais prendre du papier, allez, je pars sur du papier bleu nuit. Et donc, première chose que nous allons réaliser ensemble, pour vraiment bien mettre en valeur notre technique avec notre crayon aquarelle blanc, c'est qu'on va prendre notre set de tampons. On va le mettre sur le bloc acrylique. Coucou Nathalie du Canada. Bonjour Brigitte, bonjour Laurie. On va mettre de l'encre Versamark. Donc je vous rappelle, l'encre Versamark, elle est transparente. Moi je l'associe à de la colle. Hein. C'est comme ça, bah, je l'associe. Non, c'est pour moi c'est un peu comme de la colle et qu'on va s'en servir comme de base pour mettre après. Donc là à la caméra vous voyez pas grand chose, quoique un petit peu peut-être. Voilà, je prends mon petit plateau, je sors ma poudre à embosser blanche et je vais poser généreusement ma poudre. Attention, je mets toujours pas les doigts dessus, hein. Pour celles qui connaissent pas la technique de l'embossage à chaud, je vous encourage à regarder les lives, les vidéos que je mets le lundi. Vous pouvez les retrouver facilement sur YouTube. Et vous tapez dans le moteur de recherche embossage à chaud live technique et vous allez découvrir comment réellement fait l'embossage à chaud avec tous ses tenants et ses aboutissants et toutes les petites choses à faire et à ne pas faire.
Donc là, on est bon. Avec le petit pinceau qui est en poil tout doux. Donc ça, c'est avec le kit d'embossage. Tout est vendu avec. Ça, c'est top. Hop là. J'enlève tout ça. Je referme délicatement le pot. Et je vais le mettre de côté en évitant que ça tombe. Et je vais sortir mon pistolet chauffant. Et là, c'est là où c'est un peu moins agréable pour vous en vidéo. Parce que ça fait du bruit. Attention, on est parti. On voit bien la différence de où j'ai embossé et où j'ai pas encore embossé, hein, vous avez vu. Hein. Oui, Laurie, c'est le nouveau kit embossage. C'est hyper pratique, t'as tout. C'est vraiment très très bien. Alors, vous voyez, on a bien embossé, on a bien fait en sorte que les petits grains éclatent et soient bien lisses. Et maintenant, et vous allez voir, c'est là où c'est pas très compliqué, c'est qu'on prend notre crayon blanc et on va colorier l'intérieur comme ceci. Tout simplement. Mais rien que de faire ça, vous allez voir, vous allez avoir un rendu complètement différent de votre tampon. Donc là, je le fais avec les feuilles et les fleurs, mais on peut aussi le faire, et c'est pour ça que je voulais vous montrer, avec les flacons de parfum. On peut aussi le faire avec... L'important, c'est, pour moi, je trouve, c'est de bien prendre du papier bien foncé, pour bien que le blanc soit ressorte, c'est plus facile. Et puis, je trouve que l'associer à l'embossage à chaud avec le blanc, c'est encore un mieux. Je fais là aussi. Donc, je fais mes petits feuillages. C'est tout, tout simple, hein, vous avez vu. Donc, je ne sais pas qui a ses crayons aquarelles ou si vous allez céder à la tentation sur ma boutique en ligne. Mais vous verrez, c'est un jeu d'enfant et ça a rendu vraiment très fin. Très chic, je dirais. Et c'est une technique toute simple. Sympa, hein? Alors, pour mettre en avant ça, bien évidemment, j'ai pas pu m'empêcher d'utiliser les cercles qui s'appellent les poinçons nature en vedette. Ils sont juste géniaux. Et donc, vous choisissez, on va dire, le diamètre de votre cercle. Et chaque cercle a des petits détails sur le pourtour qui rend les choses encore plus jolies et plein de finesse. Alors, je vais peut-être le faire un peu plus petit si on veut associer avec la bouteille de parfum. On va faire comme ça. Regardez, hop, allez, on essaye. Je vous ai dit que pour le live de cet après-midi, on allait essayer d'associer les deux cartes puisque vous ne pouviez pas choisir et moi non plus. Et comme choisir, c'est renoncer, et ben on va essayer d'utiliser les deux. Donc là, je me mets comme ça. Et là, peut-être que volontairement, je vais prendre... Ah, attendez. Je vais peut-être même encore prendre de plus petit pour avoir que... Voilà. Mm-hmm. Oh non, j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée. Je ne vais pas utiliser d'ail tout de suite. Allez, j'essaye un truc. J'essaye de découper. Attendez, j'ai une idée. Il faut que je fasse... Alors, restez avec moi. Je vais faire les flacons de parfum. Ils sont dans mes flacons. Ils sont là. Allez, je vais prendre la grande bouteille. Pareil, je fais avec l'encre vers sa marque. Bon, je prends le haut avec le
flacon doseur. Voilà. Nickel. J'espère que ça va rendre ce que j'ai dans ma tête. Hein. Vous savez, des fois, je suis pas toute seule dans ma tête. Oui, c'est ça, Nicole. Effectivement, selon ce qu'on va utiliser, ça a un rendu différent. Si on avait utilisé le crayon estompe à l'aquarelle, ça a un donné différent. Alors que là, directement avec le crayon aquarelle, c'est différent, en fait. Donc, c'est vrai qu'il faut se permettre d'essayer des choses, d'utiliser différents outils pour voir ce qui vous convient le mieux. Là, je remets de l'autre côté. Je ressors mon pistolet chauffant. Restez avec moi hein, si vous voulez voir le rendu. J'espère juste pas me tromper. Parce que là, j'y vais au freestyle. Hein. Bon, comme souvent, mais encore plus aujourd'hui. Donc, on va découper tout autour du nœud flacon. Oui, oui, le bleu, c'est la vie. On est bien d'accord. Vous avez vu, j'ai même mis le pull bleu à sortir. Ça fait un peu encore frisquette en Normandie, même si aujourd'hui il n'a pas plu. Il n'a pas plu depuis hier. Attention, miracle! Hop là. Hop. Ça, je mets ça de côté. Et donc, pareil pour mon flacon de parfum. Donc là, j'estime qu'il est à moitié plein, à moitié vide. Je fais pas un trait droit, sinon c'est pas très joli. Et je colorie tout simplement. Voilà. Donc on a ça, on a ça. En fait, j'hésite à le découper ou à le faire un cercle autour. J'hésite. Je suis en pleine hésitation. Allez, je vais le faire comme ça. J'ai trop peur que la finesse me fasse... Ah non, j'hésite. Ah, c'est casse-pied quand je suis comme ça, j'aime pas ça. Non, j'ai envie de changer. Je vais découper un cercle. Comme ça, je le passe à la machine de découpe, elle me plaque, elle est là. Allez, on tourne la manivelle. Allez, hop, ça, je le mets de côté. Regardez, oh, c'est trop beau ces petits liserés là. En fait, c'est tout simple, mais je trouve qu'il fallait y penser et ça apporte de la finesse, j'adore. Donc on a ça, là je vais découper au ciseau. Alors comme d'habitude, je détourne, on va dire, grosso merdo. Voilà, alors il n'y a pas de dies qui est coordonné avec la fleur, mais c'est pas grave. On va détourner, quand on a des bons ciseaux, ça se fait tout seul. Puis, si vous êtes comme moi, moi j'adore détourner. Bonjour Martine. Pour toutes celles qui n'étaient pas dispo hier à 18h, j'ai réalisé un live avec mon mari pour vous faire découvrir un nouveau kit qui va sortir sur le mois de juin chez Stampin' Up et sur ma boutique en ligne. Et franchement, si vous avez un petit coup de mou ou si vous êtes aussi curieuse, je vous encourage vraiment à aller voir, à acheter un œil. Parce que, en tout cas, nous, on s'est très très bien amusés. Beaucoup même. On en a bien ri, on en a même ri après. Et je pense que ça a été communicatif. Et celles qui étaient là pourront, on va dire, le,
le dire. On a découvert des talents cachés à mon mari. On a découvert des outils qu'on n'imaginait pas. On a découvert des noms d'outils mystérieux aussi. Hein. Vous verrez, vous pourrez découvrir l'OTAT. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Qui fait autant de boulettes que moi? Voilà. Oui, mon mari est très rigolo. Oui, on est très complices. Hein, depuis, on se connaît depuis 99, donc ça commence à dater. Mais c'était le deuxième live. Hein. Et puis, comme vous avez pu le voir, il n'est pas très agile de ses mains. Mais il a un bon sens de l'humour, on va dire. Et puis, si vos maris ont envie de se prêter au jeu, vous verrez, c'est marrant. C'est drôle. N'oubliez pas de lui laisser des petits commentaires, il est content. En tout cas, nous, c'est bien éclaté. Oui, c'est bien débrouillé, je suis d'accord avec toi, Sabine. Voilà. Je suis d'accord. Oui. Donc, on va faire un petit truc comme ça. Ah, regardez, j'ai une idée. On va vraiment jouer... Oui, il y a même les chats qui sont venus, ouais. On va embosser, on va vraiment aller jusqu'au bout des choses. C'est un nouveau plioir également, celui-ci. Je l'avais à portée de main, ça tombe bien. Je vais vous le faire découvrir. Et du coup, n'hésitez pas, des fois, on veut faire une carte toute simple, mais le fait de superposer les tampons et les matières et l'embossage, tout ça, ça rend vraiment un côté raffiné à nos créations, qui est vraiment très joli. Voilà, un pec, comme ça, voilà. C'est tout simple, mais... Alors, on va faire comme ça. Il faudrait une base blanche. Attention, Fanny, de ne pas renverser ta poudre embossée. Attendez, je m'enlève, on va faire des catastrophes. Une base blanche, j'ai quoi là ? 1,1. Donc, comment on va pouvoir associer tout ça? Oui, vous avez eu la chance de voir Sushi, d'entrepercevoir Pistache aussi. Hein, il y avait toute la famille. Donc, on est bien. Là, on va mettre de la mousse 3D. Et puis aussi découvrir le nouveau kit, mais aussi le kit que je fais sur le mois de juin. Si vous avez envie de... participer, n'hésitez pas, il reste encore de la place, mais attention, les inscriptions c'est jusqu'à mercredi. Alors vous voyez, le flacon de parfum, je lui donne un côté un peu bombé pour avoir l'impression vraiment que c'est un flacon. Et là, je vais, pour une fois, je vais pas faire ma radine sur les comment dire, sur les mousses 3D, mais je vais en mettre l'une au-dessus de l'autre pour qu'on puisse garder cet effet bombé. D'accord? Hop là. Voilà, parfait. Nickel. J'ai l'impression que ça tient pas. Oui, ça tient. Je vais peut-être en rajouter une. Je mets une toute simple en bas pour que ça consolide l'affaire. Voilà. Et du coup, une en haut pour le haut du flacon. Voilà, nickel. On est bon. Voilà, super. Oui, puis le petit jeu, ouais. On va s'amuser. On va continuer la folie. Eh, regardez, si je fais comme ça... Ah, ça va faire chouette, ça. Je lui donne aussi du volume à ma fleur, hein, on est d'accord? Donc, je prends mon petit plioir. J'assouplis mon papier. Comme ça, je donne du volume. Hop là. Je vais en mettre derrière. Hop là. Là, on est pas mal. Je vais juste couper ici. Voilà. Je vais peut-être même affiner ici pour que ça soit plus joli.
On est en bordure de feuilles. Pour apporter un peu de finesse. Voilà, super. On est bien. Là. Alors vous voyez sur la carte initiale, l'embossage que j'ai mis en fond, je l'avais aussi mis sur le fond de mon papier et j'ai embossé. Après j'ai teinté en bleu ciel. Donc là on va reprendre avec ma brosse à estompe. Pour rappeler un petit coup de bleu. On va avoir du coup avec la même technique des cartes différentes. Ce qui est chouette. Hein. Voilà. Ah j'aime bien. Ah c'est joli, j'aime beaucoup. Et vous en pensez quoi? C'est sympa hein, d'associer les deux, ça rend bien. Ça rend même très bien. Alors, il faut que je reprenne une petite base de bleu. Ah, je vais même faire différemment. Je vais faire une petite base de bleu comme ça. Oui, je t'inquiète Marie-Jocelyne, là ça s'y prête pas trop les feuilles adhésives, mais j'ai prévu de faire un live avec les feuilles adhésives, hein, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je peux pas faire tout en même temps, c'est pas facile. Sinon, on sera ensemble des heures et des heures. Certaines, ça les gênera pas, mais d'autres, ils ont peut-être autre chose à faire quand même. Hop là. Là, on est bien. Je vais prendre un petit pinouette. Même si Arnaud n'a pas réussi à le faire hier, mais moi je sais les faire mes igouigouis, donc je vais en refaire un petit coup là. Hop là. J'ai pas réussi à lui faire faire hier. Pour le prochain live, peut-être que j'y arriverai. J'ai pas réussi. Bah, il a fait un petit truc, hein, mais c'était pas forcément très très joli quand même. Hein. On va être honnête, mais je suis dit, faut pas le dire. Hop là. C'est peut-être parce que je lui ai pas dit qu'il fallait qu'il tire la langue en même temps. Voilà. Ça, on est plutôt bien. Et puis, je sais pas si vous l'avez vu dans le catalogue, mais on a ce joli set de tampons qui s'appelle Étiquette d'amour, qui est vraiment super bien parce qu'il peut s'utiliser de différentes façons. Et j'aime bien les petits messages, et vous avez même le petit message Carpe Diem, que j'aime beaucoup. Et là, on va utiliser... allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le petit mot surprise, comme ça quand je pourrais l'offrir à peu importe, n'importe quelle occasion. C'est bien. Ah non, je vais mettre Carpe Diem parce que je sais à qui je vais l'envoyer. Hop là. Hop, je reprends mon bloc acrylique. Il est où mon encreur bleu nuit? Je l'ai rangé. Il est pas loin, il est là. Une fois et je vais décaler un tout petit peu pour faire un effet dégradé. Regardez, non, je sais pas. Regardez, joli hein, voilà. Et pour rehausser la couleur, on peut aussi je vais vous montrer, je l'ai fait il y a pas très longtemps, mais peut-être que vous étiez pas là. Vous prenez l'encreur. Et vous pouvez aussi, soit vous prenez votre brosse à estompe et vous ancrez le bord comme ça. Soit vous pouvez aussi prendre directement votre carte et vous mettez sur les bords comme ça. Et vous pouvez même associer les deux techniques. C'est pas dérangeant ça.
L'important, c'est que vous faites ce que vous avez envie. En fait, le fait de faire ça, ça rehausse les bords et ça met la création du milieu en valeur, en fait. C'est ce que j'aime bien. On y va délicatement. On pourrait prendre aussi les doigts éponge. Hein. Voilà, parfait. Coucou, Carole. Et donc ça, je viens prendre. Je fais une taille de carte standard. Je ne vous mets pas le massicot sur le plan de travail parce que déjà j'ai plus de place. Mais voilà, c'est 14,8 sur 21. Et voilà. Et regardez, on va juste avoir collé comme ça. Et on a une jolie carte bleue. Alors celle-ci, elle ne nous donne pas d'argent. On ne peut pas acheter avec. Mais elle est bleue quand même. Donc la technique que nous avons travaillée aujourd'hui, Carole, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec le crayon aquarelle blanc. Et donc on a fait cette jolie carte ensemble. Et au préalable, j'avais aussi fait ces deux cartes-là. Donc on a associé les deux. Et évidemment, on va rajouter des petits strass, bien sûr. On ne peut pas laisser une création sans strass. Et on va utiliser l'otate. Alors, d'après vous, c'est quoi l'otate? Je vous ai donné des indices. Alors, O-T-A-T. Attention, qu'est-ce que c'est? O-T-A-T. Alors, oui, vous pouvez aussi, merci Nicole, liker et partager. Ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup dans les algorithmes Facebook qui sont parfois pas très sympas. Alors, Carole, le crayon aquarelle blanc, en fait, il est dans la boîte de crayons que tu peux retrouver à la page 118 du catalogue. Et c'est dans la boîte numéro 1, à la référence 161-700. Vous avez 13 crayons, dont le blanc. Voilà. Ah non, c'est pas comme l'acétate, pas du tout. L'otate, c'est le nom que mon mari a inventé hier, son surnom, pour l'outil touche à tout. Et donc, l'otate... Et Mister... Oh, j'ai fait une faute. Otate. Et ben, ce n'est rien que... Mon mari. Parce qu'hier, il a utilisé l'outil touche-à-tout pour le live. Et il s'est surnommé Mister Otate. Voilà, c'était fait, ça s'est parti de ses blagounettes. Et donc, je vais utiliser le... Du coup, j'arrive pas à garder mon sérieux. L'outil touche à tout ou le que Mister Otate adore. Et je vais rajouter des petits strass. Donc, comme vous avez pu le découvrir hier, mon mari a un sens de l'humour très développé. Il dit souvent des bêtises. Il fait souvent des bêtises. Mais qu'est-ce qu'on rigole bien? Pour celles qui le connaissent encore mieux, il a toujours un rire communicatif. Donc souvent, c'est contagieux. Hop là. 1, 2, 3. Allez, la cinquième. On va attirer l'attention sur les embossages qui sont là. Voilà. Voili, voilou. Alors, sympa, hein? Donc... Voilà, on a fait trois cartes avec la même, le même outil, c'est le crayon aquarelle blanc. Oui, oui, déjà dès le premier live, quand on avait fait ensemble, c'est vrai, Karine, t'étais là aussi. Ça date, hein, mais il avait beaucoup aimé l'outil touche-à-tout, effectivement. Et donc, bah voilà. C'est important de rire, cela entretient l'amour, et bah je pense qu'on est parti pour encore des belles années. Parce qu'on rigole bien.
On était encore de mariage samedi, on a fait des bêtises. Ouais, des bêtises rigolotes. Il fallait faire des photos insolites. On a fait des photos insolites. Dans la limite du raisonnable, mais très insolites. Enfin, je n'en dirai pas plus. Je laisserai l'honneur et le privilège aux jeunes mariés de découvrir nos petits délires à tous les deux. On n'avait pas les enfants, mais je pense qu'on aurait pu avoir 15 ans. Ah bah Carole, écoute, dès que tu fais cette technique-là, n'oubliez pas à chaque fois que vous faites les techniques que vous voyez lors de mes lives, n'hésitez pas à me les partager, à partager sur la page, c'est toujours agréable. Et puis, si vous n'avez pas encore les produits nécessaires pour réaliser cette technique, rien ne vous empêche de passer une commande sur ma boutique en ligne. Ça fait toujours très 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 plaisir. Et puis, ça vous permet aussi, sur le mois d'après, de recevoir un petit cadeau. D'ailleurs, les cartes de remerciement du mois de mai sont finies. Donc, j'ai plus qu'à préparer les enveloppes, mettre le petit mot au dos et mettre le petit cadeau, la petite attention. Et vous pourrez bientôt les recevoir. Voilà. Bah, merci à vous, merci à toi, Carole, d'être là. Merci aussi à Sabine, Patty, Martine. Et puis moi aussi, je vous souhaite une bonne après-midi. Et donc, je vous donne rendez-vous mercredi. Et mercredi, je vous montrerai je vous montre mercredi. Ah non, déjà avant, je vais vous montrer un truc. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Si vous souhaitez vous inscrire pour réaliser le cube photo avec le socle, avec moi, lors des kits mensuels, n'hésitez pas, il n'y a plus beaucoup de temps. C'est jusqu'à... mercredi, les inscriptions, hein, donc n'hésitez surtout pas, d'accord? Et donc mercredi, on travaillera ensemble ce joli combiné de les tampons et les dyes. C'est l'article moins cher du catalogue. Et vous verrez que on va pas faire que des cadeaux de naissance. Je dis ça, je dis rien. Allez, je vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau live créatif et on se retrouve à 9h30 mercredi matin. Et puis pour celles qui ne peuvent pas être là pendant les lives, n'oubliez pas, vous pouvez regarder les replays sur YouTube Fanny Scrap Stampin'. D'accord? Allez, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt et ciao, bye bye. Et merci de me soutenir en likant, en partageant, en commentant. En voilà, allez-y, allez-y, foncez, foncez, foncez. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, je vous laisse en musique. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.